Barcola arrive au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Barcola, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Barcola arrive au PSG. Franchement, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas pour anticiper l'après Kylian? Parce que Barcola et Kylian jouent le même poste. Ils jouent quasiment le même poste. Et on sait que Kylian ne se blesse jamais. Pourquoi Barcola arrive? Pourquoi Barcola arrive? Sachant qu'il ne va quasiment pas jouer. Moi, je me dis peut-être c'est pour anticiper Kylian. Au cas où si Kylian se bouge, ils ont au moins un joueur. Certes, Barcola, ce n'est pas le niveau de Kylian, mais il peut quand même dépanner, tu vois. Moi, je vois ça plus comme un joueur qui est là pour anticiper le départ de Kylian. On le prépare déjà. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Barcola est un bon choix pour le PSG? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.